Les éditions du Petit Camionneur vous présentent Piki, le petit renard. Un conte écrit par Daniel Palmieri. Bonjour chers petits amis, moi c'est Piki et je suis un gentil petit renard. Je vous invite à partager mes aventures avec mon ami Molly, la poule, mais aussi le coq Scotty, le père Gauthier, le fermier, ainsi que Buzo, le voleur de poules, et bien d'autres personnages. Ce conte a été écrit par Daniel Palmieri. Toutes les voix ont été enregistrées par Jean Guibré et Nancy. Et les musiques ont été composées par Stéphane Gommeret. Quant aux illustrations du livre, elles ont été dessinées par Zia. Piki, le petit renard, se promène dans la campagne et découvre une basse-cour. Piki est petit mais rusé, un vrai fourriau, digne fils de son père. Il va tout faire pour le retrouver et aider ses amis malgré Buzo, les chasseurs et leurs chiens. Dans l'extrait suivant de cette seconde bande-annonce, Buzo, le voleur de poules, pénètre dans le poulailler. Mais Piki est rusé, c'est un fourriau. Et il veille au grain pour protéger ses amis de la basse-cour et faire fuir l'intrus. Buzo est juste derrière Piki. Encore toi, petit renard! Allez, file! Buzo ramasse le gourdin qui retient la porte, le lève et fait fuir Piki. Allez, bon sang, fous-moi le camp! Il ouvre la porte, Scotty et ses amis se mettent à caqueter de toutes leurs forces. Taisez-vous, sale bestiole! Vous allez réveiller le père Gauthier! Il plonge sa main dans la masse, prend des poules au hasard et attrape Scotty. Il les met tous dans son sac de jute. Les poules font tellement de bruit qu'elles réveillent le Claude Gauthier. Il prend son fusil, sort et tire en l'air pour effrayer l'intrus. Buzo file dans la nuit, le Claude s'habille, met ses bretelles et va au poulailler constater les dégâts. Oh, le sagouin! Il a pris mon plus beau coq! Il compte ses poules. Sacré sagouin! Il manque 3 poules! Hé, le Claude! T'as mis ta culotte à la mer! T'as vu? Il manque 3 poules! Et le plus beau coq, Scotty! Il ramasse les plumes. Quel carnage! C'est pas un renard! Il aurait pas pu enlever le gourdin de la porte! À mon avis, c'est Buzo, le voleur de poules! On n'en sait rien! Remets le gourdin et demain, je mettrai un cadenas! Nous espérons que ce petit extrait vous a plu et sachez que nous avançons sur ce beau projet qu'est Piki au rythme de chaque contributeur. Mais vous êtes déjà très nombreux à nous suivre sur la page Facebook Piki le petit renard. Tous les membres de la team Piki vous en remercient du fond du cœur. Vos j'aime, vos partages et commentaires sont chaque jour un important soutien pour nous et cela nous permet de continuer avec joie et confiance en l'avenir. Vous retrouverez très bientôt Piki le petit renard, grâce à ce joli conte, dans un livre, sur CD et sur clé USB. Pour tout renseignement ou interview, voici vos contacts. Daniel Palmieri, auteur du conte, à bbourgeon@orange.fr ou Jean Guibré, narrateur, voix de plusieurs personnages et pilote du projet, à pharaon85@orange.fr. Merci beaucoup, ton ami Piki. Thank you.